Mesdames et messieurs, amis fanatiques TV la caille comme yo, encore une fois nous comptons rejoindre nous et dans nouvelle vidéo ça nous porter pour vous commencer battre bravo, commencer célébrer, commencer faire fête. Mesdames et messieurs, la police rivé sous chef gangan Timakak. Mesdames et messieurs, en pile courir dans la République. Sans pas ta pensée, mesdames et messieurs, l'arrivée, eh ben la police arrivée, mettez dominant, j'ai un frère Timakak, mesdames et messieurs, opération dans la boule 12, opération dégrippé Timakak, opération finie avec dossier Timakak là, la police s'est cémentée, eh ben moi ça pas fini pour pas jouer un résultat avec question Timakak ça, mais qui saute fait et donc assassiné. Et donc, 3 à 4 policiers là, mesdames et messieurs, ben la police qui se font leur pote bourré sous Timakak là, nous pas besoin de dire qui réel qui gagne en base ça, parce que la police mette balle sous frère Timakak, monsieur mortellement blessé. Nous battons bravo pour la police, c'est contentement qui gagne dans le pays. Timakak a tous les policiers, la police même pas négligé, mette balle sous soldat Timakak yo, parce que. Et France LB lui-même, après dérespectant ça, au cap fait là, monsieur cémenté, donc question insécurité, la kembel, d'arrache-pied, la pan frappé jusqu'à ce que lui joigne résultat. Et bien, la vidéo ça, mesdames et messieurs, vous allez inviter au gain détail tout, et bien, sous Zak malhonnête ça, sous attaque ça, que bandit dans base grand griffe, en dans commune ça, vient département là, Thibaudite, mesdames et messieurs, et bien, côté arrivé, mettez. Diffé dans sous commissariat Tirivière ben nèg sa vieux là après au fin fait payroll hier lundi a fin dans 6000 l'argent et dans bourse chaque grain gang qui en dedans et donc base ça chaque grain bandit qui en dedans base ça et ben jodi a là nèg yo arrivé envahi sous commissariat Tirivière et nèg yo mettez différents sous commissariat. Yo prend tout ça au jeune en dedans, il y a plusieurs policiers qui victimes, mesdames et messieurs, bagala dégénéré, bagala grave dans le pays d'Haïti. Je dis à la, c'est bandit qui a fait et défait, c'est bandit qui a coupé raché, c'est bandit qui a dirigé le pays, ça, pays a paré l'État. L'État là, c'est comme si yo pat là, et yo même encore qui n'a confié à Gandio, c'est une raison qui fait yo puissant comme ça. Pour aller vite au gain détail dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs, restez connectés, n'a tout net. Bandit Axam qui fait partie de base à Gangif. Yo mette di fe nan commissariat Tirivière la Tibonite la, Zak sa li passé dans soirée mardi 11 avril 2023 a tout fait yo pote tout ça yo joine en dans commissariat, yo pote aller également dans yon business qui était tout près à commissariat, tout près commissariat Tirivière la Tibonite la. N'a rappelé pour zanmi yo policier qui yo même été affecté nan commissariat Tirivière la Tibonite la, yo était abandonné depuis 26 janvier 2023 suite à attaque bandio, yo te fait à sous commissariat ça. Et puis l'autre information, dans notre qui date 10 avril, responsable Udmo Semakio, qui est en tête inspecteur GFT des Nord, demandé à tout policier Udmo pour rendre dans le commissariat Ponsonde, qui c'est nouvelle base. Donc notre ça, inspecteur a fait qu'on est, mais juste ça, eh bien, li adopté jusqu'à nouvelle ordre. En tout cas, nous pas connaît est-ce que pral gen stratégie pour capable kwape bandi à sa bien yo, puisque y a pile monde qui commence à poser tête une question dans qui ça yo pral lagué centre-ville Saint-Marc, puisque si Idmo pral déplacer pour aller dans commissariat patrol qui trouvait dans Ponsonde sur route nationale numéro 1. Après à moins passer 2 semaines en fait patronal ville Saint-Marc 25 avril qui pral venir là, gagné commissaire gouvernement paquet Saint-Marc là maître Vincent François accompagné à plusieurs policiers qui affectés à service sécurité, eh bien, qui a effectué chaque soir dans villa de patrouille. En pile, et non, pendant patrouille, ça y est, eh bien, chef paquet, donc, il fait qu'on est, il a déjà mis la patte sous, environ 6 présumés bandits, parmi eux, ils ont antenne base à Tigriff, donc, qui c'est un chauffeur mototaxi, donc, la police mettait la patte sous individu ça. Donc, et gagné également, il y a un membre base à 7 secondes qui retrouvé en dans centre-ville Saint-Marc qui c'est Mercedes Bertoni. Donc tout monsieur ça yo, eh bien il a joué une arrestation et pendant arrestation ça guerrier, eh bien la police lui joue un 9 mm à plusieurs cartouches. Donc individu ça yo pour connaître, il a répondu une question service investigation commissariat Saint-Marc. Bergens innocent c'est nos jeunes garçons ça, eh bien qui sorti dans Beaufort qui tout près Jean-Denis bandit Axam qui c'est base à Grand Griffio.
yo touye lundi qui sont passé à route nationale numéro 1, et ben jeune garçon ça li té sur une motocyclette à tout faire yo qui yo même té occupé route nationale numéro 1, espérer que et ben Udmo yo qui va le déplacer donc pral gon redi qui va bay avec bandi sa yo et ben bandi yo qui t'a tiré par ci par là et ben dans toute direction. Eh bien, il t'a pral éteindre souffle de vie, jeune garçon, ça, et puis blessé, plusieurs autres membres, non, population civile. N'a pas signalé blindé PNH là, donc, qui habitué campé dans Kafoupey, li patnan espasa pendant, eh bien, bandio, yo t'es occupé, route nationale là, lundi, qui saute pas ça. En tout cas, je vous dis, c'est mercredi, et généralement, que bandio, yo toujours sorti sur route nationale là, à le faire recette, donc, nous pas connaît, est-ce que la police, pour le prendre des dispositions pour capable contrecarrer un bandit à examen. Qui Jean Villa réveillé? Est-ce que bandit aurait été dans Villa, il continue à tirer ou bien comment population réagit après ça qui passé? Alors Fanzou que Pierre Winel en ce qui a trait membre base à Grand Griffio, yo pas basé yo en dans Boutigel à Tibonite, yo à quelques d'adit kilomètres. Donc est-ce une capable dit de kilomètres puisque distance que yo retrouvé dans localité ça vient qui c'est basé pratiquement qui en dedans donc sont passé en sur route nationale numéro 1 à côté de commissariat Patchoala donc on capable passer là donc ça n'est les routes coloniales là et c'est pratiquement c'est une route que utiliser maintenant là yo rentré en dedans Bouc-Rivière la Tibonite yo à quelques minutes yo on a dit que de Bouc là avec basé côté donc lorsque au fin fait Zach Malonel Sayo, yo tout quitté en centre Boukla. Donc ça arrivait que peut-être yo gagne antenne en dans Boukla, mais pas oublier que Pierre Renel, donc commissariat tiré la Tibonite, il était abandonné. Mono dans un premier temps, yo t'ai fait ça relé de barricade, mettait de gros pile terre donc pour t'empêcher bandio eh bien vienne faire la pli et le beau temps dans Bouktivé la Tibonite. Malheureusement, donc au grand absence autorité dans Bouktivé la Tibonite, ça qui expliquait que eh bien Mounio peut-être qu'il est pas capable de kembe et grand pile dans yo tout qui abandonné Bouktivé la Tibonite dans yo qui prend refuge du côté de Vered du côté de Saint-Marc grand pile dans yo c'est là yo obligé vintran refugio puisque on était constaté lorsque tu gagne distribution de manger qui t'a fait dans Corsena club de Saint-Marc des pile monde qui était sorti de la Tibonite et malheureusement grand pile dans yo t'ai expliqué donc yo obligé rester dans centre-ville Saint-Marc puisque Tivé la Tibonite son côté qui pratiquement t'a largué pour contre à pas de monde qui choisi eh bien yo bravé danger pour rester dans centre-ville à Tivé la Tibonite puisque pas gagné policier parce que pas oublier que lorsque pas gagné ça est de chef et en dans en ville eh bien c'est pratiquement son ville qui largué pour contre nous remarquer tout et ces derniers temps que nous fait constat en pile dans juge de paix yo, donc nous remarquer au CCMA que nous remarquer en présence yo pas vraiment gagné de juge de paix qui a fait travail yo dans groupe civil la Tibonite. Donc son population Pierre Renel t'a posé question qui pratiquement la guerre pour contre lui puisque il y a pas de monde qui a demandé qui ça au côté pour vendre puisque c'est bandio chaque fois. Je pas oublier que bandio centre de ravitaillement c'est route nationale numéro 1 et en même temps tout du côté de Liancourt mais ces derniers temps et population Liancourt 3 ans qui prend responsabilité yo donc qui certainement yo pas voulu que bandio continue à empêcher yo dormir. Donc, il prend responsabilité, ce qui fait que gain en pile dans bandit sa yo, eh bien, qui va aller à Guinée-Sansu. Chaque fois que membre de population lui en quoi, yo constate yo inconnu ou pas gagné une pièce qui est capable d'identifier, yo passé à l'infini. Ce qui fait que gain en pile dans yo qui perdu la vie. Maintenant, deuxième, c'était premier côté qu'on utilisait sur route nationale là, mais malheureusement, certaines fois que blindé qui, affecté ou du moins, qui toujours sur route nationale numéro 1 du côté de Kafoupey, certaines fois, il est déplacé. Maintenant, nous pouvons regarder Pierre Renel, dans le jour qui pral vini là, puisque, bon, notre qui sorti, bon côté, inspecteur, divisionnaire, ou bien responsable, puis de Monsenac là, qui demandait tout policier. Eh bien, nous pouvons regarder tout, puisque, en pile, dans policier, c'était pratiquement, c'est dans le service immigration, il était arrêté. Donc, est-ce que vous pouvez le déplacer? Puisque, il demandé, donc, puis, on du côté de Ponsondé. Est-ce que c'est des stratégies qui peuvent adopter pour contrecarrer Bandio? Nous pour capable avancer sur point ça, Pierre Renel, mais n'attendre qui ça qui peut le passer dans le jour qui peut venir là.